Cumes est une ville qui se situe en Campanie, dans le sud de l'Italie, au nord de Naples, dans une zone qui s'appelle les Champs Flégréens. La ville est connue dans la littérature antique par le géographe Strabon, qui rappelle que Cumes est la plus ancienne colonie grecque fondée en Italie du Sud. Sa position géographique et la fertilité du sol en firent un lieu stratégique convoité par les peuples locaux, bien avant l'arrivée des Grecs d'Eubée, qui fondent la cité au milieu du 8e siècle avant notre ère. Quelques siècles plus tard, en 334 avant notre ère, la ville obtient la civitas sine suffragio, c'est-à-dire la citoyenneté romaine sans le droit de vote. Elle atteint l'apogée de sa puissance politique et de son expansion urbaine durant la période romaine et jusqu'au 3e siècle de notre ère. À partir du 6e siècle, la ville est progressivement abandonnée et finit par tomber dans l'oubli, jusqu'au 16e siècle, quand les antiquaires et les érudits s'intéressent à ses vestiges. Il s'ensuit plusieurs siècles d'exploration incontrôlée de la ville antique, et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que de véritables fouilles suivies et organisées sont programmées par Stefano De Caro, alors surintendant archéologue de Naples et de Caserte. C'est dans ce contexte que s'insère le programme de recherche archéologique sur la nécropole romaine, financé par le ministère des Affaires étrangères et conduit par le Centre Jean Bérard, une unité de service et de recherche du CNRS et de l'École française de Rome, basée à Naples. En 2006, lors d'une mission d'exploration, les archéologues français découvrent un tombeau particulièrement intéressant. Siamo qui in un mausoleo romano del III secolo d.C., posto fuori le mura della città di Cuma, che non si limita, come si pensa da solito, all'Acropoli, il monumento che si visita usualmente, ma che ha una città in età romana, in età greca e in età romana, molto più estesa di Pompei, fa qualcosa come 120 ettari di superficie. E le ricerche che stiamo facendo adesso, sotto la direzione della soprintendenza di Napoli, con altri colleghi dell'Università Federico II, dell'Università Orientale di Napoli, e noi, quindi un centro di ricerca francese, hanno lo scopo di scoprire questa città bassa, completamente sconosciuta del grande pubblico, e che vogliamo quindi aprire, preservare già e aprire al pubblico. La necropoli romana di Cuma si distribuisce lungo tre assi stradali che escono da questa porta mediana, uno che è quello più antico ma che risale all'età arcaica e si dirige verso nord, e ci sono invece due nuovi assi che vengono costruiti e sistemati nella seconda metà del primo secolo a.C. al di sopra della colmatura del fossato di età più antica. E lungo questi due nuovi assi stradali, uno poi ripercorso successivamente dalla Via Domiziana, che si sviluppa tutta la necropoli romana, in età romana. Noi in questo momento ci troviamo in uno dei monumenti, quindi principali di questa necropoli romana, che è uno degli ultimi esempi costruttivi. È un monumento quindi dei primi decenni del III secolo d.C. ed è un monumento particolarmente importante perché è situato immediatamente al di fuori della questa porta mediana ed è un monumento anche di particolare importanza per la tecnica costruttiva che è stata impiegata. Infatti è costruito all'esterno in laterizio, quindi in mattoni, ha due facciate monumentali che sono la facciata sud e la facciata est, presenta delle facciate lavorate ed è costruito su un grande podio. La tipologia del monumento è quella del mausoleo a cella, è un monumento che è destinato ad accogliere delle inumazioni, è un monumento che ha un solo livello, un unico ambiente ed è organizzato, come diciamo, per raccogliere delle inumazioni che si fanno sotto degli arcosoli, quindi sotto delle nicchie, nelle quali venivano deposte i sarcofagi o comunque delle casse in legno con gli inumati. La même année, les peintures sont restaurées et une couverture est installée au-dessus du monument pour les protéger des intempéries. Alors l'intérieur du monument est entièrement décoré à fresques et on peut voir dans les six arcosolia différents décors. Les arcosolia, donc c'est-à-dire les niches, fonctionnent par paires.
Nous avons dans une première paire qui se correspond des oiseaux de type colombidé qui sont disposés autour d'un panier en osier qui contient des fleurs. Puis dans une autre paire d'arcosolia qui se font face, encore une fois, nous avons des néréides qui sont sur des animaux monstrueux marins. Nous avons une première néréide qui se trouve assise en Amazone sur un cheval marin. Et puis en face d'elle, une autre néréide qui est vue de dos et qui tient le taureau marin par la corne. Enfin, au fond du monument, nous avons deux arcosolia qui représentent un pan qui fait la roue, donc de face, et un autre pan de profil. Autour de ces pans, il y a aussi des paniers en osier qui sont remplis de fleurs. Alors les thèmes sont bien connus dans le monde funéraire, comme le thème du pan qui représente l'immortalité. Et on pourrait voir aussi une allusion dans le panier renversé d'où tombent les fleurs au rapt de Perséphone, un autre thème qui est amplement utilisé et diffusé dans le monde romain funéraire. En revanche, les Néréides, qui sont des divinités bienfaisantes dans ce cas-là, sont considérées comme des accompagnatrices du mort dans l'au-delà. Enfin, on a sur les trois piliers, dont deux sont conservés, le bas de figures masculines. Ces figures masculines pourraient être les génies qui accompagnaient les Romains de leur naissance jusqu'à la mort, et qui dans ce cas-là seraient aussi considérées comme des divinités protectrices. 6 ans après la découverte du tombeau, dans l'attente de la réalisation du parc archéologique, et face au risque de dégradation du monument, des questions se posent. Que vont devenir ces peintures ? Comment concilier conservation et présentation au public du patrimoine archéologique ? Nous allons suivre ensemble cette passionnante enquête scientifique pour trouver une solution en vue de la préservation de ces exceptionnelles peintures murales. Tout commence en 2011, quand les autorités archéologiques s'alarment de l'état de conservation des fresques. Le Centre Jean Bérard, en collaboration avec la surintendance archéologique, entreprend alors une mission d'études interdisciplinaire destinée à croiser les résultats d'analyse de différents spécialistes. Archéologues, restaurateurs, architectes, biologistes, physiciens et chimistes, pour tenter de trouver la solution idéale pour conserver ces peintures. Ce projet à vocation didactique a impliqué la participation d'étudiants qui se sont formés sous la conduite d'experts de différentes disciplines. Le travail commence par la documentation des fresques. Les étudiants observent et rassemblent les éléments qui vont aider l'étude de la technique en relevant les peintures sous la direction de Florence Monnier, archéologue française spécialiste de la peinture murale antique, venue à Naples pour l'occasion. Donc évidemment, toutes les peintures et toute la structure de cette tombe ont été parfaitement documentées à l'aide de photos. Donc le travail que nous sommes en train de faire avec les étudiants italiens et français qui sont ici va être de faire un relevé précis de toute la décoration peinte de la tombe. Et notre travail va être non seulement de relever à l'échelle 1, c'est-à-dire en décalquant sur un plastique les éléments du décor, mais aussi de retrouver à travers une observation extrêmement précise et le dessin au feutre tous les gestes du peintre qui a réalisé les différents éléments de la structure décorative. Alors pour cela, nous allons donc placer sur la paroi un film plastique que nous allons fixer très légèrement sur la structure en moellon. Et puis ensuite, donc, nous allons essayer de relever tous ces éléments et de regarder à différents moments de la journée aussi à la fois le dessin et l'aspect de surface du mortier sur lequel le décor a été peint à fresque. Un autre élément très important de notre travail en dehors de notre regard, c'est aussi la lumière, puisque c'est cette lumière qui va tantôt mettre en évidence la couleur, tantôt mettre en évidence la matière et le grain de la peinture. Donc là, nous avons vraiment des informations extrêmement intéressantes pour comprendre la technique des peintres du IIIe siècle
et donc la manière dont ils ont travaillé depuis le haut vers le bas, en s'aidant de leurs mains pour faire des traits beaucoup plus simples, beaucoup plus droits, et puis comment ils ont mélangé les couleurs, superposé les couleurs pour faire ce magnifique décor. Quand on regarde cette peinture, on voit que c'est une peinture extrêmement rapide, mais extrêmement sûre aussi, qui dénote un peintre qui a une maîtrise du pinceau et aussi une grande maîtrise des couleurs. Cet instrument, ça s'appelle un compte-fil, qui est utilisé normalement pour compter le fil sur les tissus. Mais nous, on l'utilise comme loupe pour regarder les détails qui se trouvent sur les fragments. Et souvent, sur les fragments qui sont... pour aider au remontage, sur les fragments qui sont unis, comme des blancs ou comme des tout rouges, pour regarder le sens du lissage, c'est-à-dire de l'artisan qui est venu talocher le mortier et qui a laissé en fait des traces de lissage sur l'enduit. Les stagiaires reçoivent également une formation théorique sur le terrain. Des spécialistes venus pour étudier le tombeau leur montrent comment utiliser les outils nécessaires aux différentes analyses. En premier lieu, des chimistes de l'université de Modena effectuent des prélèvements de pigments qu'ils examineront ensuite dans leur laboratoire. Per fortunatamente in maniera estremamente portatile sono stati realizzati strumenti che hanno dentro un lampeggiatore all'oxeno, un flash, che fa rimbalzare, non assorbe niente, io riesco a concentrare tutto il segnale diffuso in un unico punto, un unico spot, che è lo spot analitico dove c'è il detector di misura. Quindi intensifico molto la raccolta del segnale. I romani avevano una grande abilità nel maneggiare l'ematite, scaldandola fino al 400-450, la ematite comincia a trasformarsi sempre di più in magnetite, per cui i colori passano dal giallo all'arancio, andando ancora su di temperatura si passa attraverso il viola che voi vedete in molte pitture romane, quindi insomma con pochi sali riusciamo a ricoprire tutte le necessità pittoriche della tavolozza al tempo dei romani. È una strumentazione in grado di dirci quali elementi sono presenti in una matrice, in un pigmento, in un qualunque campione vogliamo analizzare. Una composizione è stata effettuata quasi certamente preparando la superficie del campione con un bianco di piombo e poi applicando del pigmento a base ferro. Le monument est relevé en trois dimensions grâce à un appareil issu des dernières technologies, le scanner tridimensionnel. L'appareil, placé sur un trépied au centre du monument, mesure et enregistre à l'aide d'un faisceau laser des milliers de points et de mesures en haute définition sur 360 degrés. Quelques minutes suffisent. Le nuage de points sera ensuite lu par un logiciel spécifique et permettra de reproduire dans les moindres détails l'environnement du relevé. La peinture semble être dans un bon état de conservation dans l'ensemble. Mais il faut être prudent, car des signes de dégradation sont visibles. Il est donc nécessaire d'enquêter à présent sur les causes de ces détériorations. Pour cela, nous avons contacté des professionnels de la restauration. Come si vede, il pigmento
sotto l'effetto dell'acqua meteorica, dell'acqua di risalita e dell'effetto dei raggi ultravioletti e infrarossi del sole, man mano lo ha degradato al punto che va fatto un consolidamento in modo da fermare il pigmento residuo. Je pense qu'il faudra en tout cas ici refaire un nettoyage parce qu'on voit qu'il y a encore des concrétions de calcaire. Le but n'est pas de faire ressortir la couleur mais de minimiser les altérations. In generale, quando si affronta un problema di restauro e poi di esposizione di manufatti, si inizia sempre con uno studio di tipo microclimatico ambientale. Anche nei siti archeologici è opportuno iniziare con questo tipo di analisi, proprio perché diciamo la vita, in questo caso di questi dipinti murali, dipende proprio da come questi dipinti murali, dopo il loro scavo, dopo il loro ritrovamento, vengono esposti. Lo studio ambientale dei siti archeologici è probabilmente il più complesso, proprio perché le condizioni sono particolarmente severe, perché i parametri che si devono tenere sotto controllo sono di più di quelli che in generale invece devono essere tenuti sotto controllo in un ambiente chiuso, in un museo. L'altro problema, che è più un problema geologico però di carattere generale, è vedere la profondità della falda, le oscillazioni della falda e studiare la risalita capillare per verificare se eventualmente è opportuno fare degli interventi di isolamento della parte superiore della struttura muraria dalla parte inferiore, quindi limitare la risalita d'acqua capillare facendoci delle barriere. Siccome qui c'è una falda, la risalita d'acqua capillare potrebbe essere connessa alla falda profonda, ma ci sta poi anche una circolazione superficiale, cioè quando piove tenete presente che uno scavo di questo genere è un punto di drenaggio di tutte le acque che cadono qui intorno. La distribuzione delle colonizzazioni biologiche è localizzata prevalentemente nelle aree dove l'acqua ristagna più a lungo. Moltissimi organismi e microrganismi possono infatti colonizzare le superfici dei beni culturali e arrecare danni consistenti, in quanto questi agenti biologici possono metabolizzare i materiali costitutivi delle opere d'arte o con la loro crescita possono mascherare e quindi creare un danno di tipo estetico. Ecco, quindi là sono alterazioni di tipo biologico, ancora le parti verdi, diciamo così, e di nuovo queste invece che sono proprio delle efflorescenze, ossia queste macchie bianche, diciamo, sulla superficie dipinta, che possono essere sali sia da evaporazione che da deposizione. Quindi gli ambienti conservativi selezionano le specie biologiche che possono crescere sulle opere d'arte. Ovviamente, come in natura, maggiore è la quantità d'acqua e maggiore sono le specie biologiche che possono crescere sui monumenti. Essendo il sito di recente scavo e mantenuto e pulito, in effetti noi non arriviamo ad avere l'estrema fase di colonizzazione delle piante, quindi abbiamo soltanto questi batteri fotoautotrofi chiamati cianobatteri, che sono appunto i primi colonizzatori, che si instaurano nelle zone dove gli affreschi sono peggio conservati o dove ci sono delle fessurazioni, quindi nelle quali l'acqua può permanere. Lo studio microclimatico ambientale dovrebbe prevedere di nuovo il rilevamento della temperatura e dell'umidità relativa,
della temperatura di superficie dei dipinti e dunque per valutare le differenze di temperatura che si possono avere fra l'aria e la superficie. Questo tipo di studi vengono normalmente condotti per un intero anno solare, proprio perché quello che è interessante è la caratterizzazione nelle diverse stagioni del comportamento microclimatico delle varie parti del luogo in studio. Le contexte géologique propre au champ phlégréen peut également amplifier les risques hydrologiques. Le phénomène du bradycéisme est à l'origine de mouvements de sol qui peuvent entraîner une remontée de la nappe phréatique. Le professeur Moura, directeur du département des sciences de la Terre à l'Université de la Federico II de Naples, nous reçoit dans son bureau pour nous l'expliquer. Les campi phlégrei sont caractérisés par de multiples explosions dans les derniers 70-80 mila anni, però bisogna ricordare che fenomeni che richiamano un'attività comunque non assopita dei campi phlegrei sono ancora evidenti, basti ricordare il fenomeno del bradisismo che ricorrentemente si percepisce in questa città con variazioni sia positive che negative della crosta. A ce stade de l'enquête, après avoir examiné la majeure partie des risques, quelles conclusions pouvons-nous tirer? En tout cas, quand on voit aujourd'hui l'état de conservation, je dois dire que si on doit faire une échelle, il y a excellent, très bon, bon, moyen. Et je pense que c'est vraiment un ensemble de peintures murales qui est dans un bon état de conservation. Donc ce serait vraiment dommage de sortir ces fresques de leur contexte. Et il suffirait donc de... Il vaut mieux engager un programme de restauration in situ et puis après, avec les archéologues, les architectes, voir si c'est possible évidemment de préserver ces œuvres en mettant, évidemment, comme ça va de soi, un toit pour protéger de la pluie, du soleil, du vent, des personnes qui viendraient éventuellement. Pour faire suite aux observations plutôt positives des professionnels, une opération de nettoyage est programmée pour redonner à la peinture tout son éclat. Abbiamo realizzato degli impacchi quindi con polpa di carta caricati di un biocida capace di eliminare le tracce di muschi, licheni e quindi con un raggio di azione molto ampio e eliminati gli impacchi sono state spazzolate le superfici al fine di eliminarne ogni traccia e lavati con acqua demineralizzata. Sono stati infine realizzati degli altri impacchi con polpa di carta e acqua demineralizzata al fine di estrarre tutti i sali presenti sulla superficie. Il faut maintenant réfléchir aussi à la construction d'une couverture adaptée qui puisse protéger les peintures des agents atmosphériques. Il y aurait de nombreuses solutions architecturales pour protéger et mettre en valeur ce monument. L'idée d'une d'entre elles nous est venue par ce que nous ont dit les chimistes et les biologistes pour la conservation des peintures. Il faudrait pour cela arrêter la lumière, mais aussi permettre une ventilation importante pour assécher et éliminer l'humidité. La solution que nous avons donc imaginée consiste en une structure métallique qui supporterait des panneaux de briques. Ces briques sont tenues dans des cadres et espacées entre elles par de petites entretoises qui permettent d'avoir entre elles un jour et donc cette grande ventilation. Et selon leur épaisseur, arrêter la lumière, surtout la lumière directe du soleil. La progettazione della copertura è un aspetto fondamentale perché può cambiare radicalmente il microclima. La protezione dal punto di vista del movimento d'aria esercita un effetto favorevole sulla vita dei dipinti. Le bilan de cette recherche pluridisciplinaire expose clairement les nombreuses difficultés liées à la bonne conservation des fresques à l'intérieur du tombeau. Mais les conclusions sont loin d'être négatives. Le Centre Jean Bérard s'engage pour les mois à venir à tout mettre en œuvre pour la conservation de ces peintures murales. Depuis que je suis arrivée, nous avons travaillé et réfléchi à l'hypothèse de conserver ces peintures en place. Et après mûre réflexion, après consultation des experts, des scientifiques, des chimistes, des archéologues, des restaurateurs,
nous avons pris la décision de les laisser en place pour permettre à un public futur, quand le parc archéologique sera aménagé, de les voir. Je crois que rien ne remplace la réalité des peintures dans leur contexte. Et cela suppose évidemment de s'engager à les maintenir en un bon état. C'est pour ça que nous sommes très heureux que de jeunes restaurateurs aient pu y travailler et que nous espérons que dans le futur, cet entretien sera toujours possible. Nous y veillerons en tout cas.